Très bien. Bah écoutez, alors c'est le deuxième temps de la journée consacrée à l'élection du futur président du MEDEF. Ce matin, on a eu Alexandre Chobot, qui a fait une belle intervention, je te l'ai dit, Geoffroy. Et là, on a le plaisir d'accueillir Geoffroy Roux-de-Bézieux, qui est entouré de toute son équipe. Je laisserai Geoffroy la présenter, ça sera plus simple. Geoffroy, alors tu viens, c'est un petit pitch une dizaine de minutes hein, maximum, et puis surtout on va laisser l'auditoire poser des questions. Pas prévu de chanter. Bon, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors le spot qu'on m'a donné après le déjeuner n'est pas forcément le plus facile, mais j'ai essayé de vous tenir en haleine ou de vous réveiller. Donc je suis Geoffroy Roux-de-Bézieux. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 33 ans, d'abord dans la technologie, à l'époque Radiocom 2000 quand j'ai démarré, donc la technologie y allait très longtemps. Depuis 3 ans, j'ai créé un groupe patrimonial que je contrôle à 100% avec mon épouse, qui fait 42 millions de chiffre d'affaires, 250 personnes, implantées dans plusieurs implantations territoriales, qui fait de l'agroalimentaire haut de gamme, j'y reviendrai, et puis des objets de loisirs de plein air, par exemple des triporteurs électriques. Alors je suis venu effectivement, je porte une candidature de rassemblement. Le MEDEF, c'est la maison des entreprises, mais c'est la maison de toutes les entreprises patrimoniales et les grands groupes, les entreprises de province et des territoires et les entreprises parisiennes, les entreprises internationales et les entreprises françaises. Les start-up, mais aussi les grands groupes industriels. Et c'est pour ça qu'on a, avec donc, mes colistiers, souhaité une candidature de rassemblement. Donc je les présente rapidement, mais certains d'entre vous le connaissent, Patrick Martin, qui sera vice-président délégué. Patrick Martin est le président du MEDEF Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un militant de très longue date, qui a un très grand groupe, puisqu'il dépasse les 700 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'industrie, la distribution de matériel pour le bâtiment. Pas forcément dans l'ordre, Dominique Carlac, de chiffre d'affaires, hein, je veux dire, Dominique Carlac, elle a un double profil, elle a été athlète de haut niveau équipe de France d'athlétisme, créatrice d'entreprise, elle a une boîte de conseil en innovation de 35 personnes. Pierre Brageux, qui est la président du MEDEF 92, qui représente aussi la dimension territoriale, qui a une boîte de plus de 2500 personnes dans la sécurité privée. Et le Benjamin, Fabrice Le Sachet, qui a 35 ans, si je ne me trompe pas, qui a créé une start-up il y a maintenant 2 ans, qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Je peins ce panorama pour vous dire, le MEDEF, ça ne peut pas être un seul type d'entreprise, une seule taille d'entreprise, une seule géographie. C'est forcément un rassemblement, et c'est la conviction que je porte fortement. Alors, en 10 minutes, ou en moins de 10 minutes maintenant, le pitch est évidemment compliqué. Je voudrais dire peut-être 2 mots de contexte d'abord. On est dans une révolution technologique comme on n'en a jamais connue. Alors oui, des révolutions technologiques, il y en a eu, bien sûr, depuis que l'économie existe, depuis que le capitalisme existe. Là, on voit bien que c'est que ce qui est devant nous est fondamentalement différent, ne serait-ce que parce que historiquement, c'était la force humaine qui était remplacée par de la force mécanique, que maintenant, on parle, dans certains cas, de remplacer le cerveau humain. Et c'est un changement fondamental pour l'entreprise, c'est un changement fondamental pour nos salariés, c'est même un changement fondamental pour la place du travail. Et puis l'autre sujet qui nous concerne tous, les fédérations professionnelles, le MEDEF, c'est la place des corps intermédiaires. Alors, vous voyez tous que le gouvernement actuel n'est pas, un grand fan des corps intermédiaires, et qu'il a plutôt tendance à passer en direct. Mais je pense que ça va au-delà. On voit bien dans nos MEDEF territoriaux, dans nos fédérations, qu'on a du mal à engager des jeunes entrepreneurs. On a du mal à faire venir des militants. C'est d'ailleurs le problème des partis politiques, en partie. Et c'est une des raisons pour lesquelles, en rassemblant des gens au profil différent, Dominique, Fabrice, Patrick, Pierre, on a vraiment envie que le MEDEF puisse réattirer ou attirer encore des gens avec des profils différents. Sinon, on risque de s'étioler. Vous savez qu'il y a eu un comptage de la représentativité patronale, qu'on a 123 000 entreprises adhérentes. C'est beaucoup, 123 000 entreprises adhérentes. Mais enfin, à l'égard du panorama total, ça n'est pas suffisant. Alors, un mot sur les doctrines que je veux défendre.
l'essentiel de notre combat doit être sur la compétitivité. Il y a eu certes un progrès de fait, il ne faut pas l'oublier, avec le pacte de responsabilité et le CICE qui nous a tous fait beaucoup de bien. Mais ne nous trompons pas, il reste un écart énorme avec nos voisins, et je ne parle pas de pays émergents, je parle de voisins proches comme l'Allemagne. Et cet écart, il porte sur le coût du travail, bien sûr, mais sur ce qu'on appelle, alors c'est vraiment un jargon fiscal, les impôts de production, c'est-à-dire en gros les impôts qu'on paye sur le haut du chiffre d'affaires, et notamment les impôts locaux. Ce combat-là, il faut continuer à le mener, et même si le gouvernement, plutôt un gouvernement qui est quand même pro-business, qui fait des choses, il y a un angle mort, enfin il y a deux angles morts en fait, hein. La dépense publique d'un côté, et par voie de conséquence, comme il ne fait pas grand-chose sur les dépenses publiques, les prélèvements obligatoires. Mais ça, ça ne suffira pas. Il faut nous aussi que nous prenions notre destin en main. Alors j'ai lu avec beaucoup d'intérêt tout le projet que vous avez mené pour transformer l'UNIFA en France ameublement. Ameublement français. C'est France Industrie qui m'a induit en erreur. Et je pense que là, il y a vraiment un modèle à suivre, un modèle qui est celui qu'on doit suivre au MEDEF, mais aussi un modèle d'intégration et d'intégration de filières. Vous avez une filière économique qui est performante. La marque France, je le vois dans l'agroalimentaire, est performante. Il ne faut pas hésiter, on discutait de ça à l'heure du cocktail, à briser un peu les silos et les barrières de métier, c'est-à-dire tout simplement à aller au-devant du client final, qu'il soit B2B ou B2C. Je sais que vous avez, en tout cas pour ceux qui sont B2C, des gros distributeurs en face de vous. Dans la grande distribution agroalimentaire, je ne vous fais pas de dessin, on connaît bien ce sujet-là. Moi, dans la société qui s'appelle Olivier & Co, j'ai mis en place un projet pour aller au devant du client avec des boutiques et avec Internet pour que je puisse maîtriser le maximum de la chaîne de valeur. Et ce changement de chaîne de valeur d'un côté et de l'autre, l'accès au client final permet de monter en gamme et permet de développer les entreprises. Un mot sur le social, qui est quand même l'alpha et l'oméga du MEDEF, les lois de décentralisation du dialogue social, c'est-à-dire les lois El Khomri d'abord, puis les ordonnances du gouvernement Macron, vont en fait réduire la part de dialogue social qu'on fera au niveau national. Pourquoi ? Parce que tout simplement les formes d'organisation de nos entreprises ne sont plus les mêmes. On ne peut plus, comme on a fait pendant 30, 40 ans, décider depuis Paris d'un accord national qui impose les mêmes contraintes, les mêmes règles à des secteurs et des tailles d'entreprises qui n'ont pas la même forme d'organisation. Je ne sais pas si vous avez vu ce que fait le groupe PSA à Vesoul. Ils viennent de signer un accord pour passer de 35 heures à 38 heures. Mais ils ne l'ont pas fait au niveau national. Ils ne l'ont pas fait au niveau de la branche. Ils ne l'ont pas fait même au niveau de PSA. Ils l'ont fait sur l'établissement de Vesoul où il y a un problème de coût du travail. Et ils ont en gros augmenté le temps de travail de 8% et les salaires de 3%. C'est-à-dire que donc il y a une augmentation de la feuille de paye pour le salarié, mais un gain de productivité pour l'entreprise. C'est signé par 4 syndicats sur 5. Évidemment, comme vous le savez, la CGT n'a pas, enfin, comme vous pouvez le deviner, la CGT n'a pas signé. Pour moi, l'avenir du dialogue social, il est là. Alors, il ne s'agit pas de quitter la table du paritarisme, il ne s'agit pas de ne plus négocier. Mais il s'agit de se dire, on peut fixer un cadre national, mais chaque branche, chaque filière, chaque entreprise, quand elle a la capacité, doit avoir une forme de liberté pour s'organiser. Je vais plus loin, je pense qu'on doit aussi avoir un MEDEF de prospective. C'est clair que, et j'étais vice-président de Pierre Gattaz et je l'assume, on a été dans un mode combat parce qu'on avait surtout en 2013 en face de nous un gouvernement qui était très anti-entreprise. Maintenant, il faut qu'on soit dans le mode proposition, qu'on trouve des terrains d'expression, parce que sinon, non pas le MEDEF va mourir, hein, comme j'ai entendu, ou les fédérations, mais on va tout simplement être en quelque sorte court-circuité. Dernier élément, la pédagogie de l'entreprise vis-à-vis de l'opinion. On ne peut pas renoncer à ça. Pourquoi on ne peut pas renoncer ? Parce que les politiques qui décident du cadre économique dans lequel on est sont des gens qui sont influencés, évidemment, par les électeurs. Donc on doit s'adresser à nos entrepreneurs, on doit s'adresser aux politiques, mais on doit s'adresser à l'opinion. Et la bonne nouvelle,
c'est que toutes les études montrent que les Français attendent énormément de nous. Au fond, tout se passe comme si les Français avaient compris que l'avenir économique se dessine non pas tout en haut par des plans décidés par l'État, mais par les décisions, finalement les initiatives que prennent les entrepreneurs. Si je le dis très simplement, la vie quotidienne des Français a plus changé grâce à leur smartphone qu'au ministère de l'économie. Et du coup, ils attendent de nous, nous collectivement, MEDEF bien sûr, mais les entrepreneurs, une parole. Et je pense d'ailleurs que c'est vrai dans l'entreprise, ils savent que tout va changer. Et ils attendent de nous une parole, une pédagogie, un éclairage de l'avenir. Et c'est ce message qu'il faudra porter. Je ne sais pas si j'ai respecté le timing. Je vais laisser la parole quelques minutes à Patrick pour dire un mot sur le rôle des territoires qui est essentiel pour nous. On ne peut pas avoir un MEDEF centralisé. Il faut trouver l'équilibre entre les branches et les territoires. Et puis on prendra les questions à deux. Nous sommes partageurs. Bien, bonjour à tous, singulièrement aux nombreux fournisseurs et clients que j'ai dans l'assistance. Je fais du commerce. Pour vous dire que, de par mon profil à la fois entrepreneurial et militant, avec un engagement au MEDEF depuis 15 ans et sur la période récente à la tête du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes, qui me paraît être un MEDEF régional d'abord le plus important du réseau et qui fonctionne bien avec 30 branches et 12 territoires, je pense être bien au fait de toutes ces problématiques. Ma conviction, même si mon entreprise, Geoffroy Gentiment, en a cité le chiffre d'affaires, 700 millions d'euros, 2600 collaborateurs, est présente dans toute la France et à l'international, j'ai cette sensibilité, je dirais, à la fois d'entrepreneur patrimonial et de territorial qui m'amène à dire quoi ? Qui m'amène à dire qu'au moment où le MEDEF n'a pas d'autre choix d'ailleurs que de se réinventer, compte tenu de tout ce que Geoffroy a rappelé, il faut que notre profil d'entreprise, nos territoires soient mieux pris en considération qu'ils l'étaient jusque-là pour toutes sortes de raisons. Ma conviction, mais qui repose sur des arguments assez objectifs, c'est que, a fortiori dans le cadre des nouvelles lois sur l'apprentissage, sur la formation professionnelle, a fortiori compte tenu de la décentralisation, de la déconcentration des services de l'État, mais également de la réorganisation de beaucoup de nos entreprises pour renvoyer du pouvoir et de la décision au plus près du terrain, il faut que nos organisations soient profondément ancrées et très efficaces dans les territoires. Voilà, on a une relation avec les conseils régionaux, avec les conseils départementaux, avec l'éducation nationale, etc., etc., qui se décline, et c'est tant mieux, au plus près du terrain. Donc, dans les réallocations de moyens, dans le repositionnement du MEDEF, qui, bien sûr, se fondera d'abord sur une nouvelle doctrine, de nouveaux objectifs, il faut aussi qu'on raisonne organisation, et cette dimension sera réellement prise en compte dans une logique réellement interprofessionnelle. Je crois qu'il faut être très attentif à ce que dans le cadre de cette réinvention du MEDEF, avec un objectif très affirmé et qui doit se concrétiser d'en faire ou d'en refaire véritablement une maison commune, le MEDEF ne soit pas l'objet ou la chasse gardée d'un tel ou d'un tel, mais soit bien la représentation de chacun d'entre nous, quel que soit notre territoire, quel que soit notre métier, quelle que soit la taille de notre organisation professionnelle. Merci. On va pouvoir. Vous m'entendez, franchement ? Oui. On va pouvoir vous faire passer les micros pour les questions. Alors, qui d'entre vous ? Anne ? Par rapport à notre président de la République et à son gouvernement, et avec ses réformes qui vont de plus en plus vite, comment pensez-vous pouvoir vous reprendre la main et pouvoir nous redonner, nous, la parole en tant qu'entreprise ? Alors, c'est pour moi la question numéro un. Et vous avez souligné le point qui est presque le plus important, qui est la vitesse. Le gouvernement, tel que je le vois, il se caractérise plus par la vitesse que par la profondeur des réformes, si on est objectif. C'est-à-dire que c'est mené tambour battant, mais ce n'est pas toujours aussi intense qu'on l'aurait souhaité, aussi profond qu'on l'aurait souhaité. Alors, comment reprendre la main ? C'est à nous de proposer des agendas différents. Je vais prendre un exemple simple. On a un formidable outil dans la loi Pacte qui est la défiscalisation de l'intéressement, qui permet, l'intéressement c'est le système le plus souple, hein, puisqu'il suffit de dire à partir d'un certain seuil de rentabilité, je déclenche une prime que je décide,
Et à partir de du vote de la loi PACS, c'est-à-dire donc à la fin de l'année, il n'y aura plus de forfait social. Voilà un formidable enjeu pour nous de dire on va pousser ça, on va pousser nos entrepreneurs à diffuser l'intéressement dans les PME. Mais le vrai sujet, me semble-t-il, c'est l'avenir du travail. J'ai parlé des mutations. Je prends un exemple qui ne vous concerne pas directement, mais qui est assez parlant, qui est celui du véhicule autonome. On parle beaucoup de véhicules autonomes, etc., etc. En fait, le premier véhicule autonome, ça sera le bus autonome. Pourquoi ? Parce que c'est un trajet régulier, toujours sur aux mêmes heures et sur le même parcours. Si on met en place, et ce n'est pas ainsi, c'est quand on va mettre en place les bus autonomes, on parle de quelques dizaines de milliers de salariés qui n'ont qu'une seule formation, qu'il va falloir d'abord... probablement ils vont perdre leur emploi, ensuite il va falloir les former et les faire travailler ailleurs. Ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans le commerce, ça peut être... Voilà exactement le type d'enjeu qu'on doit prendre en main, alors probablement que les syndicats, entre nous d'abord et avec les syndicats, pour anticiper. Moi, ma conviction, si vous voulez, c'est qu'on est les porteurs de l'avenir. C'est les entrepreneurs qui ont les clés sur ce qui va se passer dans l'économie et dans le monde, dans les années à venir. Et donc, si on a les clés, on est légitime pour en parler, on est légitime pour proposer des solutions. Mais je mesure la difficulté, puisque, disons-le, donc moi j'étais dans la commission à Tali il y a 10 ans, à l'époque, il y avait donc un jeune inspecteur général de finances prometteur, mais dont, en tout cas moi, je n'avais pas vu venir la carrière. Et à l'époque, Jacques Attali disait, les corps intermédiaires, c'est-à-dire nous, vous êtes des ralentisseurs de transformation. Il faut qu'on devienne des accélérateurs de transformation. C'est ça le résumé, finalement, de la réponse. D'autres questions ? On voit pas très bien ce qu'on a la lumière dans les yeux, mais... Est-ce qu'on peut couper l'écran, éventuellement ? Oui, parce qu'en fait... C'est possible, oui. Sinon, il faut que vous vous écartiez sur les bords de la scène. Mais... Je vais rebondir sur votre dernière phrase. Je ne connaissais pas cette phrase d'Attali. Effectivement, que ce soit en politique, que ce soit dans les syndicats, que ce soit le MEDEF, on a pris l'habitude de savoir ce que vont dire les gens à l'avance. S'il y a des émissions politiques, on sait même ce que vont dire les journalistes après l'émission. Et donc tout ça semble une espèce de théâtre où chacun a sa posture. Et effectivement, M. Macron, je ne vais pas faire de pub pour lui, mais je pense qu'il bouge les murs un peu. Il pousse les murs un peu, il bouscule, parce que peut-être qu'il a peur, effectivement, que chacun jouant sa posture, finalement, on n'avance pas, parce que chacun est nourri, est plus sécurisé de prolonger les choses. Et je voudrais savoir, effectivement, quel discours de rupture vous comptez, on en avait... Parce qu'à chaque fois, on se dit... et je l'ai lu dans la presse, que ce soit les Échos ou des journaux un peu plus corrosifs, que finalement le MEDEF dit au gouvernement alléger les charges, alléger les charges, alléger les charges pour les commerçants, baisser la TVA, baisser la TVA. Et puis 10 ans après, je plaisante, 10 ans après, des études font le constat que finalement ils se sont servis et que ça n'a pas servi à développer vraiment les marchés, etc. Donc comment comptez-vous prendre cette rupture ? Et deuxième question, les syndicats, avec l'archétype de la SNCF, peuvent effectivement, comme dirait M. Attali, freiner les changements. Comment comptez-vous articuler ce dialogue avec les syndicats ? On a vu que le patron de FO, parce qu'il a un peu collaboré, part méchamment, alors qu'il avait prévu de partir. Donc tout le monde est un peu taxé que si on change un peu la règle, finalement, on se prend un peu une tempête. Bon, je pourrais pas être en touche. Non, c'est une question évidemment lourde et très difficile. Il est très difficile de répondre en 2 minutes. Au fond, si je résume un peu ce que vous avez dit, il y a une forme de conservatisme, pas au sens politique du terme, mais au sens étymologique du mot conservatisme, dans les partenaires sociaux, y compris chez nous. Et c'est vrai qu'en pédagogie, en communication, le MEDEF de combat que j'ai assumé au moment où il fallait l'assumer a forcément eu cette conséquence qu'on ne surprenait plus. Parce qu'on savait que le MEDEF allait dire moins d'impôts, moins de charges. Et donc, du coup, le français moyen
a finalement zappé, en quelque sorte. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on fasse de la pédagogie, c'est-à-dire qu'on ne dise pas juste moins d'impôts, on explique comment marche une entreprise. Moi, je veux m'adresser à l'intelligence des Français. Et contrairement à ce qu'on on dit beaucoup, les Français sont nuls en économie parce qu'ils ont des profs qui leur expliquent mal l'économie. Toutes les études montrent qu'ils comprennent de mieux en mieux comment fonctionne une entreprise. Là où le bât blesse, et là on a un gros effort à faire, c'est sur le partage de la valeur ajoutée. Les Français sont persuadés que, ce qui est faux hein, quand on regarde l'INSEE, les entreprises depuis 10 ans ont en gros augmenté les dividendes et baissé les salaires. Je caricature. Ce qui est factuellement faux. Ça peut être vrai chez certaines très grandes entreprises et plutôt d'ailleurs dans le monde anglo-saxon, mais ce n'est pas vrai. Donc il y a ce côté pédagogique. Sur les syndicats, oui, il y a des forces conservatrices. En même temps, regardez ce qui se passe à la Poste, où on est en train de. Le management de la Poste est en train de transformer la Poste à toute vitesse. Ça part d'un diagnostic partagé sur le monde qui bouge. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette révolution technologique. Personne ne peut nier, sauf à être de mauvaise foi absolue, que la technologie bouge les emplois. Vous le voyez, je pense, chez certains de vos clients distributeurs aujourd'hui. Et je pense qu'on est au début de quelque chose. Donc, si c'est le cas, comment fait-on ensemble, avec ces syndicats, peut-être pas tous, pour essayer d'anticiper ces besoins-là? Je crois que c'est la clé pour moi de la réponse, sans m'illusionner sur la facilité des choses. Tu peux, oui, bien sûr. Non, on est entre nous. Hein. Je crois qu'il faut aussi qu'on fasse notre examen de conscience et qu'on finisse par se convaincre, en tout cas c'est ma conviction, que nos propres organisations doivent se remettre en cause. Et si le MEDEF a cette image institutionnelle, c'est peut-être qu'il la mérite aussi. Je parle bien du MEDEF national, parce que dans les territoires, les choses sont un peu différentes. C'est plus facile, on est beaucoup plus opérationnel. Donc il faut que nous prenions garde nous-mêmes à d'abord avoir une vision politique des choses, à ce que les collaborateurs dont on a bigrement besoin, ils sont compétents, ils sont engagés, mais ne créent pas, comment dire, un monde à part, et que donc on lève sans arrêt le nez du guidon sur le plan des idées, et typiquement ce que Dominique peut apporter, ce que Fabrice peut apporter. Pierre, non. On ne parle même pas. Mais c'est d'ailleurs une vision différente. C'est essentiel, c'est très sain pour nous. Parce que l'entre-soi, au bout d'un moment, c'est très confortable, mais ça ne produit plus grand-chose. Et donc, c'est bien dans nos intentions, dans nos convictions, que d'oxygéner ce MEDEF, de mieux associer chacune de ses parties prenantes, et puis d'aller chercher finalement du sang neuf. Et typiquement, on a un problème d'attractivité. Geoffroy évoquait tout à l'heure le nombre d'adhérents que nous avons. Ce sont vos adhérents, ce sont les adhérents des territoires, ce sont les adhérents des autres fédérations. C'est quand même une sanction assez cruelle pour nous. Ça veut dire qu'on perd de la part de marché, en tout cas qu'on n'a pas la part de marché qu'on espérait avoir et que l'on mériterait d'avoir. Donc c'est, pardon l'expression un peu triviale, nos organisations professionnelles, ça doit être un peu l'auberge espagnole. Il faut que chacun soit contributeur et que d'une posture parfois un peu de récrimination, on passe à une posture beaucoup plus constructive. Et finalement, le MEDEF de demain, c'est chacun d'entre nous qui le fera. Et on est vraiment dans cet état d'esprit sans naïveté. On est entrepreneur, on sait qu'il ne suffit pas de décréter une chose pour qu'elle se produise. Mais c'est vraiment ça notre état d'esprit, c'est de dire au moment où on doit prendre un virage stratégique, toutes nos organisations, le MEDEF singulièrement, il faut que chacun retrousse les manches, sans a priori, sans conservatisme, sans naïveté non plus, je le redis, et qu'on reconstruise quelque chose. Et la sanction, ça sera quoi? Ça sera qu'on ait beaucoup plus d'adhérents, et singulièrement auprès des jeunes entrepreneurs auxquels on s'est tous confrontés dans le cadre de cette campagne et qui nous disent, mais finalement, le MEDEF, à part des grands messes de négociations qui le plus souvent n'aboutissent qu'à compliquer la vie des entreprises, ça sert à quoi? Et donc, il faut qu'on ait cette dimension business, cette dimension entreprise étendue, je dirais. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, mais il faut le faire. On va faire ça à deux. Moi, d'abord, je n'ai pas... Première chose, si vous voulez, on pourrait rêver d'une feuille blanche en disant il faudrait une seule organisation patronale. Mais je pense que ça, c'est un peu une vue de l'esprit. Voilà, il y a des histoires qui se sont construites, y compris en territoire. Il faut le reconnaître. La deuxième chose, c'est d'arriver à travailler ensemble sans arrogance. Et il a pu
se produire dans le passé, alors il y a plein d'histoires différentes, que le MEDEF ait pu se comporter de manière arrogante vis-à-vis d'autres organisations patronales. Vous savez, moi j'ai présidé une petite organisation patronale plutôt dans la tech qui s'appelle Croissance Plus, enfin, qui s'appelle toujours Croissance Plus. On peut avoir ce sentiment-là. Donc, focus sur ce qui nous rassemble, qui est quand même 95% des combats, et essayons de trouver des terrains d'entente intelligents sur ce qui peut nous différencier de temps en temps, à la marge, objectivement. Toi, tu connais bien le sujet. Je connais bien le sujet avec une CPME Rhône-Alpine assez virulente avec laquelle supposément le MEDEF est en guerre. En réalité, on s'entend comme la ronde en foire. Il y a des postures, il faut de temps en temps justifier pourquoi on existe. Ma conviction, c'est qu'il faut que nos organisations convergent. L'U2P, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas, vraiment pas le même profil d'entreprise, mais il faut que nos organisations convergent. Est-ce qu'il faut imaginer qu'elles fusionnent un jour ? Ça existe dans certains territoires et ça se passe en fait assez bien. Et ça nous évite d'abord d'être instrumentalisés par les pouvoirs publics. Puis en plus, le MEDEF a un énorme désavantage par rapport à la CPME, c'est qu'il n'a pas dans sa raison sociale petit. C'est un actif immatériel inestimable dans la raison sociale de la CPME, puisqu'on est en France et donc que tout ce qui est petit est sympathique. Mais au-delà de cette boutade, il faut converger. Et je vais vous dire, pardon d'être un peu technique, je pense que le principal frein à la convergence de ces organisations, ça peut exister sur d'autres dossiers, c'est un sujet d'argent. Ça va être un sujet d'argent, puisque vous n'ignorez pas que la CPME, beaucoup plus que le MEDEF, est dépendante des financements paritaires. Et donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure. À un moment donné, il faut que le politique l'emporte sur les conservatismes, sur les technostructures, qui sont par nature soucieuses de se protéger et de se pérenniser. On n'en est pas tout à fait là. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, et je crois que c'est vrai pour toi, Geoffroy, j'ai une excellente relation avec François Asselin, qui est un homme que je trouve remarquable, qui est un vrai entrepreneur. Et donc avec qui on doit pouvoir discuter. Mais il faut que ça se situe à un niveau politique. Je vais répondre à une question qu'on ne nous a pas posée, mais je crois qu'elle a été posée, puisqu'on l'a abordée. Non, mais qui est une question un peu casse-gueule, mais je pense qu'il faut l'aborder, qui est celle de la fusion potentielle des branches. J'ai cru comprendre que la question avait été posée à notre concurrent. Je pense qu'il y a une confusion dans l'esprit du gouvernement entre convention collective et filière économique. C'est vrai qu'historiquement, on s'est construit, nous, sur des conventions collectives. Et c'est vrai qu'avoir 700 conventions collectives dans ce pays est probablement trop. Quand on est basé à Paris, à l'Élysée ou dans un ministère, on dit, sur PowerPoint, j'en veux 10, j'en veux 15, j'en veux 20, etc. Bon. C'est une erreur. C'est d'abord une erreur parce que si on fusionne, on va augmenter forcément les coûts, puisque malheureusement, ces fusions se font toujours avec le meilleur des... Enfin, le meilleur, ça dépend comment on regarde les choses, mais en tout cas, bon. Pour autant, il faut qu'on soit dans le mouvement. On a bien vu sur le sujet des chambres de commerce. Si on avait pris des initiatives plus tôt, on aurait peut-être évité certaines marches forcées. Donc, il faut qu'on soit dans le mouvement. On doit pouvoir trouver, je pense... Des points communs, mais garder des annexes spécifiques. Et puis, il faut bien expliquer au gouvernement cette notion de filière économique. Et l'excellence d'une filière, elle n'est pas seulement liée à sa convention collective, elle est liée aussi à son savoir-faire, au chassé en meute, à l'exportation, à la capacité d'aller chercher des clients ensemble, etc., etc., etc. Je ne sais pas si tu veux compléter sur ce sujet, mais je crois que c'est un sujet de préoccupation, me semble-t-il, de la filière et qu'il était important de l'aborder. J'ajoute quand même quelque chose, c'est un des nombreux sujets, comme le combat des idées sur lesquels il faut que nous soyons proactifs et force de proposition, parce que ce gouvernement, ce président de la République sont formidables parce qu'ils veulent faire bouger les choses. Ils ont une petite tendance à considérer qu'ils savent tout sur tout et finalement être assez centralisateur. Moi, je suis convaincu que nos corps intermédiaires ont toutes leurs raisons d'être, sous réserve qu'ils soient efficaces, qu'ils se réinventent et qu'ils ne s'auto-entretiennent pas. Mais typiquement, sur ce sujet de la fusion des branches, enfin, je pense que tout le monde l'a en tête, si on ne prend pas nous-mêmes des initiatives en étant très soucieux des intérêts économiques de nos entreprises, hein, ce n'est pas pour la beauté du geste, je dirais, qu'il faut procéder à ces réorganisations. Si on ne le fait pas nous-mêmes, de toute façon, on nous tendra le bras. Et ça sera probablement pire. En tout cas, ça ne sera pas mieux. Question ? Non ?
Vous êtes devant des industriels qui gèrent une taxe fiscale depuis 1971, qui nous est particulièrement utile, puisque ça nous permet de développer notre exportation, notre création et de former nos hommes. C'est bien notre argent. C'est nous qui payons, c'est les industriels. On le gère nous-mêmes, on le gère mieux d'ailleurs que quand c'était l'État qui nous le gérait. L'État, au passage, nous écrète régulièrement un peu d'argent. L'avenir de ces taxes est assez menacé. On n'a pas toujours été soutenu par le MEDEF à une certaine époque. Est-ce qu'on peut avoir votre position sur ces taxes ? Mais tu l'as dit, Henri, en fait, dans la question, à partir du moment où c'est les industriels qui le gèrent et que la profession, la filière, la branche, quel que soit le nom qu'on lui donne, considère qu'elle est utile collectivement, il n'y a aucune raison de ne pas la conserver. Simplement, le problème aujourd'hui, c'est que l'État est vraiment dans une logique, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Et pour montrer une fausse vertu de baisse des prélèvements obligatoires, on le voit sur les chambres de commerce, hein, on le voit sur Action Logement, il attaque, j'allais dire, les, entre guillemets, les prélèvements des autres. Là, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est démontrer par une, à la fois par une explication, une pédagogie d'un côté, l'utilité de ce qui est fait, et de l'autre côté, montrer l'attachement des adhérents de la branche à cette contribution qui est une contribution volontaire. Alors, tu fais allusion au tout début du mandat, c'est vrai que Pierre a fait une déclaration bon, qui était un peu générale et qui a été mal interprétée. Je pense que depuis, enfin, tu le sais, on a corrigé le tir, on en a parlé d'ailleurs, je crois, avec le textile. Ben oui, vendredi, ou non, lundi, je ne sais plus quand c'était, on était en audition commune. Mais là aussi, comment dire, si on se dit la vérité entre, enfin, entre quatre yeux, pas tout à fait entre quatre yeux, mais je pense qu'il y a un sujet, parce que c'est un symbole facile pour le gouvernement qui en cherche, au lieu de faire les économies là où il doit les faire. Encore une question, Anne ? Oui. Vous vous présentez en groupe. Cependant, le pouvoir est quand même un exercice assez solitaire. Nous, en tant que chef d'entreprise, on sait tous que, même si on a une très bonne équipe, on est toujours tout seul un jour devant nos décisions. Qu'en est-il pour vous à ce niveau-là ? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous parce qu'on est dans un mode associatif. Et le pouvoir est solitaire quand on est dans un mode actionnarial où effectivement, alors, à moins que l'actionnaire soit acquis, mais le MEDEF, c'est une association d'associations. Et donc, il faut chercher, et c'est toute la difficulté, le consensus, c'est un peu ce que j'ai dit au début, entre des jeunes start-upers qui partent en Californie et qui n'ont peut-être pas envie de revenir en France, des grands groupes industriels mondiaux dont le siège est parti je ne sais pas où, qui regardent uniquement la compétitivité de leur usine et qui arbitrent entre des pays, des entrepreneurs patrimoniaux que vous êtes pour l'essentiel, qui représente 95% des adhérents du MEDEF et qui se battent tous les matins. Et donc, encore une fois, c'est un peu ce que j'ai dit au début, l'idée d'avoir une équipe rassemblée, c'est l'idée de trouver un consensus. Après, il y a des organes de gouvernance qui n'ont pas toujours été tout à fait utilisés, il faut le dire. Mais enfin, il y a un conseil exécutif qui doit voter et on fera voter les orientations du MEDEF, chaque année ou à chaque fois qu'on aura l'occasion de le faire. Même le projet d'aller plus loin, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à faire voter plus largement les adhérents. Il faut accepter que le monde dans lequel on va est un monde plus démocratique de ce point de vue-là. Donc ne croyez pas que, même si l'expression journalistique, c'est le patron des patrons, moi je pense que c'est plus une incarnation, un porte-parole qui sera là aussi multiple, parce que je fais une petite parenthèse, je dépasse mon temps, mais juste deux minutes. Une des manières de changer l'image des MEDEF, de l'entreprise, des adhérents, c'est d'avoir des porte-parole féminins, des porte-parole start-upers, des gens qui vont sur les plateaux de télévision face aux mélenchonistes de tout poil, raconter ce que c'est que leur entreprise et que ce n'est pas uniquement des très grands groupes. Donc cette idée de pluralité, d'incarnation, elle est extrêmement importante dans mon mandat. Et c'est vrai que c'est une différence forte avec mon concurrent. Merci, Geoffroy.
Merci à vous. Patrick.